Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool oh mic et dans cette vidéo. Je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir une arme légendaire sur un, un joueur éliminé. Donc moi ce que je vous conseille c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Comme ça ben, vous allez pouvoir tuer tout le monde jusqu'à temps d'avoir la chance de tomber sur un bot qui a une arme légendaire. Si maintenant vous voulez le faire en multijoueur, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir une arme en or, dont un sniper que vous, vous allez pouvoir acheter contre des clés dans des petits coffres comme ça. Donc les petits coffres euh, avec des cadenas. Ces, ces coffres-là peuvent vous faire vous faire euh, choisir l'arme que vous voulez. Donc si vous avez une clé ou, ou deux clés, vous allez pouvoir choisir une arme que vous voulez. Donc si vous avez un coffre qui vous offre une, or, une arme en or exemple un assaut ou un snipe, vous achetez l'arme et ce que vous allez faire avec l'arme, c'est de la mettre quelque part à vue de tout le monde pour ensuite attirer les adversaires sur cette arme en or pour que l'adversaire prenne l'arme en or et qu'ensuite vous le tuez juste après. Donc ça c'est un petit piège que vous pouvez faire contre les adversaires hein, pour faire en sorte que l'adversaire que vous allez tuer ait une arme en or, donc une arme légendaire. Et ensuite, ben, quand vous l'avez tué, ben, vous récupérez l'arme que vous l'avez que vous, que vous piégé avec pour euh, terminer le défi. Parce qu'il suffit juste de... Tu... Enfin, il suffit juste. C'est quand même compliqué. Il faut avoir la chance que l'adversaire ait une arme en or. Mais s'il si, euh, récupère votre arme en or, ben, là, vous êtes refait. Parce que dès que vous allez le tuer, ben, vous allez pouvoir récupérer son arme en or. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en partie contre des bots. Donc euh, moi, là, j'ai déjà essayé de donner une arme en or à un bot. Le problème c'est que le bot ne récupère pas mon arme. Donc je la dépose comme ça. Et le bot passe à côté, mais il ne veut pas la récupérer. Donc la technique que je vous ai dit en multijoueur ne fonctionne pas contre des bots. Mais voilà, au moins je, je fais des kills, je m'amuse et euh, je galère pas à faire le défi. J'espère juste qu'un bot a ramassé une arme en or par, euh, par inadvertance, hein, par chance. Et ensuite ben, je vais le tuer. Et puis ensuite je récupérerai son arme en or. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc là, ben, je vais chercher tout simplement les adversaires et je vais essayer de tomber sur un adversaire qui a une arme en or. Ok, donc il y a un ennemi devant moi. J'espère qu'il a une arme en or. On va voir. Après, il est marqué une arme en or, hein. une arme légendaire, hein. obligatoirement, ça ne peut pas être un objet. Ou... Bah Regardez, justement, le bot avait un fusil à pompe légendaire. Donc là, j'ai plus qu'à récupérer le fusil à pompe pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SokulMec cool et ciao. Peace